Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e récapitulatif de l'aventure Temporis Dofus Retro. Ça fait plaisir, attaquons ça tout de suite. La journée d'hier a été une journée assez chargée, notamment au niveau de l'XP sur laquelle on était. Du coup, on a fini hier niveau 196. On est allé voir notre pote le Shenmue, hein. Le donjon est vraiment cool et facile à farm, on commence à bien optimiser. On passe 197 en tapant quelques CM. On avance tranquillement, on prend des 80 millions d'XP tranquille, on passe niveau 198, on raffronte des Shenmue, on passe niveau 199, et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Pour ceux qui ne savent pas dans Dofus Retro, le niveau 199 à 200, il faut refaire l'intégralité de l'XP du niveau 1 à 199, c'est-à-dire qu'il nous a fallu 3 milliards 7 pour arriver ici. La fin se fera pour 3 milliards 7 à nouveau, c'est-à-dire que 1% d'XP maintenant représentera 37 millions. Ça peut aller vite, ça peut être long, on pense que ce sera fait d'ici 3-4 jours, on va pas non plus forcer l'XP. On a pas mal de trucs à faire à côté et on va en parler de toute façon juste après. Mais en tout cas c'est cool, c'est un beau cap de fait, c'est maintenant que la dernière ligne droite commence. Et c'est maintenant qu'il va falloir commencer à faire des vrais stuff solides, on va en parler. Il me semble que ça c'est notre record sur le Shenmue, on fait du 3 tours, 4 minutes 30 le combat. En double tchal, c'est expédié. La strat fonctionne toujours aussi bien, hein. On a deux ennemis, on booste Kokomen, le Xelor, on a un panda qui met des petites vulnées et on éclate le Shenmue, on one shot chaque branche. En fait c'est premier tour one shot d'une branche, deuxième tour one shot du Shenmue, troisième tour one shot de la dernière branche. Et ça passe comme sur des roulettes. On fait après ça, voilà, quelques CM encore, quelques CM. Et c'est là qu'on se dit, bon, les gars, la maintenance vient de passer, Kutan et Illizel sont ouverts et ont été debug. Est-ce qu'on n'irait pas s'y frotter? Est-ce qu'on n'irait pas se frotter aux deux derniers donjons du jeu? Pour ceux qui n'ont pas joué à Dofus Retro depuis quelques années, il faut savoir qu'il y a quelques mois, ça doit faire, alors si je dis pas de bêtises, ça doit faire 5-6 mois, que sur Dofus Retro, on a deux nouveaux donjons pour acquérir notamment le Dofus Ivoire qui donne de la PO et le Dofus Ébène qui vous donne un bonus de dommages. Ces deux donjons, c'est Kutan et Illizel. C'est des gros donjons late game, niveau 200, c'est les plus gros contenus du jeu actuel. Et on s'est dit, bon, on est niveau 199, on a des stuff corrects, mettons-nous full stat et allons voir ce que ça vaut. On n'a pas du tout été déçus. Dès les premiers combats, on récupère une petite épée maudite du Seigneur Garnier, ça c'est marrant, une épée loponaise. Vous allez voir au niveau des drops, c'est assez cool. Les drops des stuff, des panneaux finales, c'est-à-dire les panneaux Kutan et Illizel, ne tombent que sur le boss. À la différence du coup du Sphinter Cell ou bien du Worker. Ici, c'est un peu comme le Ouga et comme le Rat Noir, c'est-à-dire que les items de panoplie qu'on cherche vont ne tomber que sur le boss. Mais du coup, pendant les salles, on a quand même des monstres avec des niveaux conséquents qui vont permettre de tomber quelques items pool. On drop donc une épée loponaise, une épée maudite. Salle d'après, on fait une ceinture rasboulaire, ça met vraiment bien, une Dora Bora. C'est des items qui même aujourd'hui valent 250 000, je crois, la Bora. Et la... alors la rasboulaire, ça doit tourner dans les 300 000, 350 000, quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait du bien, hein. C'est des combats où tu peux générer rapidement beaucoup de kama. On arrive à la salle du boss, le Kutan. La salle est vraiment stylée. Le combat, par contre, quant à lui, est vraiment nul. Alors le Kutan, j'ai été déçu, je m'attendais vraiment à un combat hardcore. Et au final, le Kutan, n'en ayez pas peur. T1, en gros, il va vous foncer dessus. Je sais pas si j'ai la screen de la salle, attendez. Hop, je crois pas, hein. Hop, salle du boss direct. En gros, directement, il va vous foncer dessus. Et nous, bah, on l'a tué, T2. On a boosté le Xelor, il l'a one-shot et on en parlait plus. Il a genre 10 ou 11 000 PV, quelque chose comme ça, c'est pas... pas terrible comme combat, hein. Et du coup on s'en sort très bien, on le fume rapidement, le combat 11 minutes, 4 tours, bon. On drop une botte Kutan et un anneau Kutan, donc ça c'est très cool. Parce que les items, il faut savoir qu'ils tombent vraiment rarement. On a fait un peu un sondage de tous ceux qui ont tapé le donjon. Je crois pas avoir vu un seul screen avec 3 items qui se soient tombés, donc on est très content d'en faire tomber 2. On a oublié la capture. Ça c'est un peu con pour nous, on y retournera aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, du coup on est sûrement en stream en train de taper le Kutan. On a 6 clés, donc ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mais c'est possible qu'on y soit, et qu'on va essayer de clutch du coup des nouveaux items. En tout cas, tomber un anneau et une botte, c'est très cool, et le combat est assez sympa à faire tout en étant assez simple. Donc vous n'ayez pas peur d'y aller, ayez juste un gros bon tapeur, essayez de mettre les 11 000, 12 000 dégâts en un tour, et ça passe tout seul. On enchaîne derrière sur le Belvédère d'Illizel. Donc ça régale. Pareil, dans les salles, on redrop une petite Dora Bora, très cool. Le reste, bon, c'est des cacahuètes. En tout cas, ça fait plaisir. Les crackleurs, voilà, je les avais jamais vus. Moi, j'ai découvert, du coup, toute cette mise à jour avec Temporis. Et vraiment, les mobs, ils ont un petit flow. Ils ont un petit flow. J'ai pas screen, mais il y a des... vous allez voir, je vous laisse la découverte. Si vous faites le donjon, vous verrez, il y a des archers. Ils ont un skin trop stylé.
Du coup, on tombe des drops vraiment très chouettes, les combats sont faciles, on chope des Kim, on chope des Corbacap Mastralis, des Baguetrel. Les drops régalent, on se met très très bien durant les salles. Combat d'après, pareil, on redrop une baguette des limbes, ça l'avait fait plaisir. Troisième baguette des limbes du coup sur notre team. On a donc les deux Eniripsa en limbe et le Xelor en limbe. Il va falloir qu'on mette le Kra et le Panda en limbe et on a terminé. La Nutrof mettra probablement pas de limbe. Donc aucun souci, on chope les sandales circulaires du Kimbo. Le masque voodoo également. Vraiment des drops très très chouettes. Et on arrive à la salle du boss. Alors, Illizael, on s'attendait du coup un peu à une même difficulté que Kutan, vu qu'on s'est dit bah les deux donjons sont sortis en même temps. Ils ont sûrement une difficulté similaire. Pas du tout. Illizael, elle rigole zéro. Le combat était vraiment cool à faire. A savoir qu'en gros, Illizael, elle a plus de 20 000 HP. C'est une autre paire de manches. Elle joue avant vous au T1. Elle va s'avancer et elle met une grosse AOE qui fait moins 1000, 1500 sur toute votre team. Et elle rajoute un coup à moins 1000 sur une personne. Notre panda à 3000 PV, il s'est retrouvé à 300 PV de T1. On a un peu bégayé. A savoir que le Yop derrière, dès le T1, il fait un double bond et il arrive à votre CAC. Et les tours d'après, il peut vous mettre des colères de Yop. Ça peut faire très mal. Pour 3 PA, il met des moins 600. Ça peut faire très mal. Le Kra, d'ici, il vous a à l'autre bout de la map, il fait des moins 600, moins 600 en boucle. Il est très très fort, le Kra. Lui, OZEF complet. Alors lui, il met du moins 300, je crois, sur 2 ou 3 persos. OZEF complet. Et les Nutrof à focus plus tard, mais il met des gros soins. Il fait des gros soins à 1500, 1500. Donc, tuez-le avant de passer à Illizael, ou bien il risque de mettre vraiment beaucoup de soins. Nous, pour la stratégie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a full retrait POPM Illizael. Très important, Illizael, gardez-la pour la fin, essayez de la pousser au bout de la map, full retrait PO, full retrait PM. C'est tous les 6 tours qu'elle lance sa grosse attaque. T1, T6, T11, etc. je crois, si je dis pas de bêtises. Et à surveiller, assez dangereux comme mob. Faites un gros focus, nous on s'est focus sur le Yop qui va très vite arriver. Le Yop T2 il est là, il va arriver avec vous. Mettez-lui tout, ensuite occupez-vous du Kra. Parce que vraiment le Kra vous met des patates. Ensuite on s'est occupé du petit là. Et on fait les Nutrof et Illizael après. Le combat en vrai est cool, il est vraiment pas gagné d'avance, il est assez sympa, on a réussi à penser à le capturer cette fois. Et on se régale, on drop un arc d'Illizael. Alors, sur Illizael, on a eu un bon tchal, pourtant on a eu Mystique. Le combat en 8 tours, ça s'est quand même bien fait, 20 minutes. On est content, on avait pensé pas drop, hein, parce que l'arc il est là, il apparaît discrètement. L'arc fait plaisir, il est tombé sur les Nutrof, donc ça tombe très bien, il comptait le jouer. Donc parfait. On a la capture, on va en arène, mais malheureusement sur l'arène, j'ai pas le screen, on n'a rien drop du tout. On n'a pas eu de tchal, les tchal étaient trop compliqués, donc on a dû les skip. Mais on a fait la petite tenta, et c'est pas passé. On retentera sûrement notre chance plus tard, je sais pas si les clés Illizael sont galères à drop. Mais en tout cas, voilà du coup pour la petite session, la petite sortie, Kutan Illizael, très très cool à découvrir. On s'est régalé. Derrière, on est parti à l'atelier de FM et j'ai réussi à faire cette dinguerie. Enfin, après la session d'hier, complètement ratée, après les 440 échecs d'hier, on a réussi à passer les bots Kutan, toutes fraîchement drop, en PA, PM, et ça, ça régale. Il m'a fallu 514 runes pour le passer. J'ai cru que j'allais devenir fou. J'ai cru que j'allais devenir fou hier, on était sur Twitch, j'ai forge magé je crois de 1h30 ou 2h du matin, jusqu'à 9h du matin. Je m'étais dit que je suis une salope si je vais pas passer mon PA avant d'aller me coucher. On l'a passé, avec plus de 1000 viewers sur Twitch à 8h du matin, il est passé. Quel soulagement, vraiment ça m'a soulagé parce que c'était l'enfer sur Terre à FM, ça m'a consommé 514 runes PA. Les runes PM, je les ai pas comptées non plus parce que honnêtement, t'as 2 à 3 remises PM par PA, j'avais aucune chance. Mais du coup, on l'a passé sur un jet sympa. Hein. En haut, il y a plus de 240 Vita, 47 AJ, 45 Intel, 10 dommages. Donc c'est un jet correct de tentative. On n'était pas sur un plus PM, donc j'ai pas un jet perf. On n'a pas les 10% de res, 10% de res que normalement il y a. Mais voilà, 8%, 8% ça suffira, je compte pas faire de PVP avec. Donc pour du PVM opti, ce sera très 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 cool. Et ça permet du coup à mon Eneripsa d'être en... Actuellement du coup avec la limbe et tout, on est en 13 PA, 5 PM. Kokomen, quant à lui qui a droppé l'anneau Kutan, il a pas réussi son exo. Il a plus de 100 échecs dessus. Donc on a pas vraiment beaucoup de chance moi et Kokomen. En revanche, dans notre team, on a Logi. Logi, il faut savoir que en 45 runes, il a passé 4 exo PA. Il rend fou, il prend un item, il met 4 runes et il passe. Il a, de mémoire, il a un casque Gladia, opti parfait, Dido, chance, PP, il y a tout dessus.
PA, il a réussi à faire, je crois, ses bottes PAPM, il a réussi à faire sa ceinture. Il a 4 exos, les Nutrof est déjà en 15 PA, je crois. C'est une dinguerie. Donc ça, c'est très très cool. Donc en soi, on est à 4-5, on est à 5 exos PA sur la team, avec celui d'hier qu'on nous a aussi offert, on est à 6. Donc ça avance tranquillement. Après, il faut savoir que du coup, bah, plus on a d'exos, plus on a de boost avec les ennemis, plus on a d'attaque sur le Xel. C'est un carnage, c'est une boucherie. Mais en tout cas, voilà, là, par contre, on commence à être un peu en galère de Kama et de Rune. On est bien remonté par rapport à hier, mais vas-y, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais vas-y, c'est cool. On en a fait un sur Lane Ripsala. Il reste encore, du coup, 7 exos à passer. Techniquement, en 800 tentatives, j'étais censé avoir mes 8 exos. Et ben, j'espère qu'en 286 runes, on aura les 7 exos qui manquent. Hein. J'espère que les prochaines vidéos, je vais pouvoir vous annoncer qu'on a passé des exos clutch super rapidement. On verra. Suspense à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Instant Gaming encore une fois d'avoir aidé à participer à cette vidéo. Je les remercie infiniment. Ça fait plaisir. Instant Gaming, pour ceux qui ne connaissent pas, est un site qui vous permet d'acheter vos jeux PC, PlayStation, Xbox et Nintendo à prix très correct sur le marché. J'utilise le service depuis des années. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Vous avez un concours en ce moment pour remporter un jeu gratuitement. Ça prend 3 secondes. Vous avez juste à cliquer sur le lien, choisir le jeu que vous voulez et valider. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Merci à eux en tout cas de te proposer ce concours pour vous et merci à eux de m'aider à financer cette vidéo. On se retrouve sur Twitch ou sur YouTube demain. Bisous à tous.